Entendons ici les accusés. Nous avons entendu un parti civil. Nous avons entendu des témoins. Aussi, Monsieur le Président, il a versé au niveau de la procédure un certain nombre de pièces, notamment des certificats et rapports médicaux, ainsi que des prises de vue. Après donc une analyse, Monsieur le Président, le ministère public, qui est la partie principale, qui est la partie poursuivante, a estimé qu'il est nécessaire de procéder à une requalification de fait. Monsieur le Président, nous venons de produire une réquisition écrite et cette réquisition, on va vous dire tout simplement la dernière partie. Le ministère public est, s'il vous plaît, requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture, enlèvement, séquestration ou blessures et violences volontaires, pillage de marchandises, de biens, de biens mobiliers et d'incendie volontaire du magasin, conteneurs et de leurs contenus, vol à main armée, également entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, viol et complicité, ces infractions qui sont prévues et punies par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 307, 306, alinéa 11, 12, 13, 232, 233, 234, 1, 5, 6, alinéa 239, 240, 241, 242, 268, 259, 514, 515, 510, 382, 297, 288, 848.3 et 849.1. Récalquer donc ces faits en ceux de crimes contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de l'ONU de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 a précisé que ce statut-là a été ratifié par la République de Guinée à travers la loi R25 du 20 décembre 2002. En le faisant, Monsieur le Président, vous aurez le droit de vous remercier.